tu as pourri jamais quand il y a un programme de rénovation de chambre. Et ça, c'est inacceptable. Mais nous, MMZ, nous pensons que c'est une grande priorité, ça. MMZ nous dit besoin de l'eau dans la case 24-7. Pas qu'à attendre aujourd'hui de telle heure à telle heure pour un atilo, telle heure à telle heure pour un atilo. C'est fini, ça n'est pas là. Donc, ça, c'est l'appel. Et ça, au niveau du MMZ, est extrêmement important pour nous. Et nous pouvons maintenir ça. Et aussi, moi, nous dit l'eau, c'est la vie. Besoin éradique problème de logement dans sa pays. Malheureusement, l'année allait venir. Le problème là reste pareil et on peut trouver qu'il y a une performance en colère. Mon côté, parfois, on dit moi, je suis un politicien, mais moi, je suis un politicien. Mais nous ne pouvons pas généraliser la place politique. Mais il ne faut pas être trop drôle, je vous dis, quand on est dans une réunion où tout politicien, la police vient pas besoin d'aller. Parce que c'est pas ça pour être batté. C'est parce qu'ils ont été rodés pour ça. Donc, quand on met un dimoun une fois, deux fois, dix fois, mais à un moment donné, il dit moi, je suis l'éveil. Parce que dimoun n'a pas imbécile dans sa vie. Première fois, mon Dieu. Le peuple mauricien est un peu éclairé, un peu intelligent. Donc, le politicien vient mettre ça dans toute la tête. Nous avons l'impression que les politiciens ont dit qu'ils ont pris nous pour nous être poupées. Nous ne sommes pas contents de servir nos bourrés, parce que nous sommes humains. Ça me dit que ça peut être les autres politiciens. Mais pour moi, nous sommes poupées. Nous ne lèvons pas les yeux pour nous pas dit. Nous n'avons pas de poupées. Ce n'est pas du cas, nous n'avons pas de poupées. Nous n'avons pas de poupées. Et ça, je peux arriver à lire. Ça me tout le temps me dire. C'est les peuples qui m'arrivent dans sa pays, les peuples n'ont pas connu ce valeur. Ils arrivent à lire, vous êtes dit vous dans votre pied et dire, hey, c'est nous qui m'arrivons dans sa pays. C'est nous qui pouvons décider qui ça va nous politique pour le parlement. C'est nous qui pouvons décider qui pour diriger sa pays. Donc dans tout message que nous pouvons aller, nous pouvons demander à mes camarades de l'électorat, prends conscience de notre valeur. Et bizarre avec aval pour qualité pour l'œuvre. Alors, les politiciens qui font ou pas, comme je dis, un locataire dans ce pays-là, parce que c'est où qui propriété. C'est où qui propriété dans ce pays-là. Ce n'est pas politicien. Vous pouvez en avoir un politicien. Bon. Et c'est moi qui suis plus content, moi, le politicien, quand les politiciens qui font quelque chose, pour dire, non. Les venus, c'est l'épisode là, la veille élection, là, c'est tout pour une table là. Désir, troisième, grand matin, tout pour une. Tout pour promettre l'échelle là. Et après, cinq balles, pour disparaître. Inacceptable. Les politiciens, il y a une responsabilité, il vient à choum. Quand on peut rentrer dans le parlement, ou certains ministres peuvent rentrer pour le tout, c'est les peuples qui peuvent payer ça. Mais c'est notre devoir, en retour, aide. Ça va nous. Donc ça, on n'est plus capable de continuer comme ça. Nous, au MMSD, nous disons, bien rendre l'électorat sur le pays, sur l'île Maurice. Tout le monde, bien sortir de partie prenante de la gestion de ce pays-là. De partie prenante du développement dans ce pays-là. Parce que vous pouvez dire la deuxième république. Sauf que vous pouvez dire là, parce que je pose la deuxième république, parce qu'à mon propre personne n'a pas voulu quitter la deuxième république. Si un monde qui a dit moi, je vous dis qu'il était la deuxième république, mon propre beaucoup de monde qui a répondu. Donc vous avez fait attention que tu peux aller. C'est quoi la deuxième république? Nous ne connaissons pas. Parce que la deuxième république pour résoudre le problème du chômage. Il y en a 50 000 chômages dans ce pays. Est-ce que la solution c'est la deuxième république? Bon, je connais. Moi, je connais ça. Je n'ai pas dit. Deuxième République n'a pas pour rempli l'estomac malgré dans sa pays. Nous, au MMSD, par contre, je vous demande une deuxième l'indépendance. L'indépendance du peuple. L'indépendance que nous, tous Mauriciens, pour bénéficier du développement dans sa pays. L'indépendance que tous Mauriciens, pour capable de créer la richesse. Les autres développés. Au MMSD, nous croyons dans l'ouverture de l'économie. Laisse investisseurs locaux et étrangers venir investir. Bizan créer l'emploi, mon camarade. Mais si nous pas ouvert l'économie, qui va nous faire? Pour créer de la richesse, nous bien investissement. Aujourd'hui, nous avons un tas de dossiers pour nous poser et dormir. Nous disons que nous avons largué. Laisse ça pays-là respirer, nous pouvons tout faire. Nous arrivons pour ouvrir cette économie. Même à l'étranger, venir créer la richesse pour créer l'emploi pour les Mauriciens. Il ne faut pas dire où va le pays-là, moi, loin de là. Mais venir investir, même tocasse faire, tocasse fructifier. Créer l'emploi. C'est ça qu'ils nous demander dans le MMS. Donc nous disons, encourage nous ban PME. Là, nous avons dit, nous avons dit, tiens, taxe au SMS. Nous disons, tiens, taxe, tiens, taxe au ban PME. Tiens, ça taxe à nous, ça va une petite entreprise là. Laisse ça ban jeune entrepreneur là, et on va dire, pour grandir.
nous besoin de tiers taxes et avec sa burden de tout ça, parce qu'il peut tout, et qu'il peut tout, ça va le PME. Nous besoin encourage nous bons jeunes. Parce que le PME, pour moi, c'est le plus gros créateur d'emploi. Il a potentiel dans ce pays-là, mais nous besoin de donner de la chance. Pas comme on voit une petite entreprise, sa qualité fond qui opère en pays-là, après, quand taxe ça, il y a une finité. Ce n'est pas possible. Nous payons bien pour les taxes au PME. Laisse pas la développer. Bien créer une mini-zone industrielle dans tous les pays que tu peux aller. Il veut rentrer dans tout le quartier, village, autour du monde, peut-être qu'il va sur la côte aussi, mais fait tourner la peinture. Malgré la peine à place, nous disons bien créer dans chaque circonscription une zone. Que tu vas entrepreneur là pour gagner un petit local, pour qu'il travaille. 5 et 6 et 7 et ferme la côte, rentre la case. Donc nous croyons là-dedans. Mais malheureusement, ça fait des années, vous voyez, des années que le monde dit ça, mais malheureusement, pas fait tant. Je ne pas les tant. Nous devons créer aussi la foi artisanale. La foi artisanale. Donne sens à les Mauriciens qui doivent mettre la main à le vendre de l'article. C'est tout ce qu'ils ont demandé, les autres. Ils n'ont aucun la foi. Le cas est créé dans leur produit, malheureusement, ils n'ont aucun endroit pour vendre. Ça aussi, nous devons créer des zones de foi artisanale permanentes. 24-7, l'esprit de l'article expose de l'article. Je ne suis pas content de demander sanité. Mais les autres, au moins, capables de travailler. Okay? Donc, nous, à MMSD, nous pouvons distribuer un peu les main points. Et vous pouvez dire des points là du programme du MMSD. Comment trouver ce programme qui est le meilleur pour les Mauriciens, pour le peuple mauricien. Nous ne parlons pas d'inventer l'échelle latérienne. Donc, c'est pour ça que nous disons à l'électorat, finalement, pour reprendre l'alternance, vote l'aide. C'est un nouveau symbole. Il y a 5 ans sur la scène locale. Mais pourquoi, ma camarade, l'alternance est là. Pour vous citer deux points avant que vous distribuez le programme. Bon, l'introduction de la loi sur la misère mondiale, la dernière fois, l'abolition du système de Selva et Lévi. Nous disons ça, Selva et Lévi, là, c'est un crime contre l'humanité. Ça. C'est un système barbare. Tu n'as pas capable de racer un dimoun dans la case de aussi, mais parce qu'il peut payer du loge par 100 000 roupies. Quand le côté de l'institution financière peut faire par milliards de profits. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous disons le système de d'eau. Mais la fraude artisanale nous causait. La fraude office nous causait. La libéralisation des zones. C'est aussi ce que tu causais la dernière fois. L'introduction de la télévision privée. La création d'une deuxième chambre. Vous donnez la chance à toutes les compétences de ce pays-là, vigne de l'avant, vigne d'une bonne idée. L'introduction d'une loi sur l'information, financement des partis politiques. Combien de bananes nous causer ça? Ce qu'il y a zéro. Mais nous, au MMSD, tout ça, c'est des priorités. Nous visons une autre. Ok? Donc, pour ça, ma camarade, pour mettre ce programme-là à jour, visons votre MMSD. Nous disons, nous pouvons mettre une par circonscription, des ans, il y a 100 ans. La circonscription a aidé, et après vous avez trois. Parce que nous pouvons date à peu près, pour être à peu près un mois, mais vous pensez qu'il nous dépasse l'objectif de mettre 20 candidats. Donc, à ce stade, si un homme est compétent,